avait tous rancard dans un gastos du coin, quelque part vers la porte de Pantin. On était une dizaine de crapules convoquées par Pierrot, dit la pendule, qui avait un plan d'enfer. On rentre, on sort, j'ai déjà le code du coffre-fort. Les gars, ce sera un jeu d'enfant, les flics qui verront que du vent. Il n'y aura plus qu'à chourer l'oseille et se tirer de Montfermeil. Le lendemain matin, dès le lever du jour, on fumait des gitanes sur le carrefour, en face de la banque centrale qu'on allait visiter de manière illégale. C'est un hold-up, fermé là, le premier qui gigote y restera. En 10 minutes, c'était plié, nos sacs débordaient de billets. C'était un jour béni, un jour de paye pour la bande de Montfermeil. Qu'est-ce qu'on entend soudain, arrivant en renfort dans le lointain, le bruit trop familier pour être sympathique. Que fait en ce pointant la sirène des flics? Vous deux là-bas, vous nous couvrez, a ordonné Pierrot avant de se casser. Nous deux, c'était Francis et moi, je vous jure qu'on avait les foies en voyant rappliquer toutes les corbeilles de la police de Montfermeil. Les autres étaient partis en nous laissant comme ça, entourés de toutes parts par les agents de la loi qui nous criaient « Fripouille, vous êtes foutus !» Les mains en l'air, il n'y a pas d'issue. Mais d'un coup, Francis sort son flingue, se relève en gueulant « Faut que je désingue !» Il a même pas eu le temps de tirer, 15 pruneaux l'en ont empêché. Moi je me suis évanoui, je vous le déconseille, pendant un casse à Montfermeil. Coincé là et que j'ai pris perpète dans ce trou à rats, pendant que ces pourris roucoulent à l'autre bout du monde aux bras de jolies poules. Une fois par jour, je peux sortir pour marcher dans la cour, me divertir. Parfois j'aperçois les oiseaux en regardant par les barreaux, mais le parfum des fleurs n'est pas pareil dans la prison de Montfermeil.